Et bonjour à tous, moi c'est Bardoco, je suis content de vous retrouver. On se retrouve pour la suite sur le jeu de A Plague Tale Innocence. Et on va de suite se retrouver en jeu pour démarrer le chapitre 8, qui a pour thème chez nous. On va retrouver bien donc l'ensemble de nos protagonistes, Amicia, Hugo et les autres. Allez, on est parti. Celui-ci, je vais le découvrir avec vous. Hugo, Amicia et Mélie ont retrouvé Lucas, semé l'Inquisition et atteint le château d'Ombrage, une forteresse ancestrale isolée, mais envahie par les rats. Après une rude bataille pour éliminer les rongeurs, les orphelins ont pu passer leur première nuit de repos à l'abri. Donc on a bien Hugo, Amicia, Mélie, Lucas, et il va nous manquer Arthur encore à retrouver. Je faisais un cauchemar. Tu... T'es déjà debout? Oui, j'ai trouvé plein de choses. Viens voir! Tu vas adorer. Allez, allez! C'est quoi ce bruit? C'est Lucas! Suis-moi, tu vas voir. Allez, ça me réveillera. Enfin, peut-être. Par là! Oui, j'arrive. Je vais prendre ce qui brille, là. Ça peut servir. Bon, toujours des magnifiques décors, hein. On va continuer d'explorer, là-bas c'est la sortie. Il y a plein de ficelles, est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose? Je ferais mieux de rester avec Hugo. Ok. Là on peut pas le prendre, là on a un atelier. Alors là, on va finir de récupérer. Il va falloir qu'on rapiace ces paillasses. Donc on va avoir du travail à faire. Juste jeter un coup d'œil à l'atelier d'abord si on peut fabriquer quelque chose. On pourrait agrandir notre pochette et notre sac de munitions. Mais utilisant un textile plus épais et creusé, un réceptacle de projectiles se cale directement au centre de la poche, ce qui raccourcit le temps entre les tirs. Ça peut être pas mal. Et sinon, on a le sac de munitions. Mais si on fait l'un, on pourra pas faire l'autre. Bon, on verra juste. Ah, j'ai bien envie de faire quand même. Non, on se fait la pochette. Allez. Pas mal. Pas mal du tout. On va peut-être rajouter des choses plus tard. Hop, on a récupéré de l'alcool, on avait le salopette qu'on n'a pas pu récupérer tout à l'heure. Je peux toujours pas le prendre. Allez, hop, on va retrouver Hugo. Moi, je pense qu'on a tout pris. Un lion vert qui dévore le soleil. J'espère que ce n'est pas une prophétie. Alors, si on regarde, qu'est-ce qu'on nous explique? L'alchimie. Hop, on va le mettre dans le bon sens pour le voir. Voilà. L'alchimie fascine autant les hommes de science qu'elle inspire les artistes. Le symbole récurrent du lion dévorant le soleil est une allusion à la dissolution alchimique, cette opération durant laquelle le vitriol s'attaque au soufre, a pour but de séparer les substances brutes des substances subtiles. Compliqué ça. Ok, allez. Hop, on va suivre le petit Hugo. Domine la lune au lieu de l'épouser. Lucas! Oh, vous êtes là. Bien dormi? Non, je n'ai pas fermé l'œil. Ce laboratoire est en mauvais état, mais il m'a inspiré. Je suis tout prêt d'aboutir mon grand œuvre. Vous pouvez m'aider. Ah oui, oui! On doit faire quoi? Amicia, j'ai besoin de la fiole sur la table gauche. D'accord. Et moi? Je fais quoi? Il faut de la lumière pour le final. Hugo, une bouche. Ça doit être ça. Hop, dans la poche. Ah, si peut-être on peut pas le prendre.
Tiens. D'accord. Plein de choses à récupérer, un alambic. Et là, il y a plein de choses qu'on peut pas prendre. Bon, ben tiens, voilà, voilà la piole, monsieur Hugo. Tiens, monsieur Lucas, pardon. Autre chose ? Oui, le concentré de sève de laurier, juste derrière moi. J'y vais. C'est quoi un grand œuvre ? Ça se mange ? Concentré c'est de sève de laurier. C'est l'élixir qui éclaira ton chemin. Le flambeau du porteur de la macula. Ça m'est venu comme ça, cette nuit. Voilà. Bien. Voilà. La larme de l'ange. Le couronnement alchimique. L'élixir. Hugo. Waouh ! Le grand œuvre. C'était pas censé faire ça. Oh. C'est pas grave, Lucas. Peut-être le labo, lui. Qu'on devrait te laisser te reposer, hein, Hugo ? Bravo, Lucas ! T'es un sorcier ! Amicia, viens ! Je te suis. Oh, mais il a pas mal trouvé le pied, là. On peut pas prendre ça non plus. Au fait, tu as vu Mélie ? Non. Ah, elle est peut-être déjà partie. Oh non, je veux lui dire au revoir. Est-ce qu'on a quelque chose maintenant pour... Oui, on peut se faire la poche. Ça, c'est bien, on va pouvoir... Ça va me simplifier la vie. On va pouvoir... Du coup, il va manquer un outil maintenant et des matières encore. Hein. On va pouvoir stocker un peu plus, ça c'est pas mal. Ça doit faire des siècles que ce château est vide. Ouais ! Amicia, viens ! On fait tous les deux ! Et ? Wow. Ah ! Ah ! Ça va, on rigole bien ? Je suis sûre que l'Inquisition aussi. Mali ! Alors t'es pas partie ? Viens. Alors... Faut qu'on parle. Ah, oula. Ça sent pas bon, ça. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que ce château est une ruine. Ah. Et c'est exactement ce qu'il vous faut. Ceux qui ont construit cet endroit voulaient vraiment pas qu'on les emmerde. Soyez sages et ça ira. Alors, tu vas partir chercher Arthur ? Si je peux aider ? Arthur, c'est mon problème. T'as entendu comme moi. Ces chiens de l'Inquisition l'ont emmené au bastion. Je sais où chercher. Je le trouverai. Amicia, viens voir ! Écoute... Avec Hugo, ça a pas l'air facile. Mais crois-moi, ça vaut le coup. Il te sauvera. Ils finissent toujours par nous sauver. Même si, tu sais, les frérots, parfois, t'as juste envie de les tuer. Les symboles, Amicia ! Je te crois. En tout cas, pars pas sans dire au revoir. C'est pas mon genre. Amicia ! Viens, s'il te plaît ! Oui, Hugo. Oh, il paye, ce qu'est-ce gamin. Que tu as trouvé ? Oh, la pour la copine. Bon, y'a plus rien à lui dire, d'accord. Bon, on se casse alors. Voyou, petit. Là, en bas, c'est comme le dessin. Quel dessin ? Celui de la salle à manger. Je vais te montrer. Viens, je te suis. Ah, mais attends, je voulais voir ce qu'il y avait là-haut, moi. Je peux pas. Bon, ouais, c'est fait. Il est passé par là. Non. Creuset d'alchimiste. Ah, ça peut Lucas être. Sera content. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur le creuset ? C'est l'outil de base des alchimistes. Ce récipient en pierre est capable de résister à des conditions extrêmes, température élevée des fours, acide, sans s'effriter ni se briser. Il porte en lui tout au long du processus alchimique la promesse d'une grande œuvre finale. Et ? Ah oui, puisqu'on est revenu là, du coup. Regarde, c'est les mêmes symboles. Tu as raison. Des armoiries d'alchimistes, peut-être ? Tu as vu l'arbre ? L'arbre ? Viens ! Allez, par ici ! Oh, mais pénible, là, toujours en train de courir, ce petit, là. Oh, un papillon. Ah ! Où vous allez ? Oh, tu t'es fait de nouveaux amis ? Oui ! Thank you.
Amicia ? Pourquoi ils font ça ? Pardon d'être malade, Amicia. Non, non, non. Tu sais, on va trouver un moyen de te guérir. Et puis, il y a Lucas et Mélie maintenant. Lucas ! Viens voir les papillons ! Quelqu'un a l'air de bien s'amuser, on dirait. Elle s'étend, Lucas. Oui, la macula progresse dans son sang. Les textes disent qu'il existe plusieurs seuils et qu'à chacun de ces seuils, le porteur risque de sombrer à tout jamais. Combien de temps avons-nous ? Pas beaucoup. Hugo approche du premier seuil. Mon maître et ta mère essayaient de retarder ce moment. Mais comment ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Il travaillait sur un élixir très complexe qui aurait permis à Hugo de se préparer. Et toi, tu saurais le faire ? Je ne suis pas aussi savant qu'eux, mais leurs travaux s'inspirent d'un livre interdit, le Sanguinis Itinera. Ça veut dire qu'avec ce livre, tu pourrais peut-être... N'y pense même pas. Le Sanguinis Itinera est un livre dangereux. Il est scellé avec d'autres ouvrages dans les caves de l'université. La zone grouille de soldats, ce serait se jeter dans la gueule du loup. En temps normal, oui. Mais... en profitant de la confusion actuelle, on a peut-être une chance. C'est en ville, pas loin de là où ils retiennent mon frère. Si t'es prête à prendre ce risque, je peux t'aider à entrer. Merci. Bon, je vais aller préparer mes affaires. Retrouve-moi à l'intérieur quand t'es prête. Vous allez avoir besoin de matériel. Je vais m'en occuper. Hugo ? Je suis vraiment désolée, je dois partir. T'inquiète pas, je vais rester avec Lucas. Bien. Je reviens vite. On n'aura pas le surveiller, lui. Alors attends, j'ai vu des choses à récupérer, il me semble. Père. Mère. Vous serez toujours ici. Avec nous. Il n'y a pas des... Ah oui, c'est les fleurs pour... pour les herbiers. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Tiens, c'est du millepertuis. Oh, ça te protégera pour aller à la ville. Elle doit être très puissante. Oui, c'est une très bonne fleur. Elle te va bien. Merci. Hop, c'est bien pour aller dans l'herbier à Lucas. Ah, Lucas Hugo. Bon, bah, je pense que c'est tout. Bon, bah, hop. On va essayer de faire le tour, voir s'il y a d'autres choses à récupérer. Ah oui, c'est les objets qu'on a trouvés. Au moins, ça nous évitera de les perdre dans ce bazar. Alors, je vais continuer à explorer un peu le château, voir s'il y a d'autres choses à prendre. On ne pourra pas monter plus haut. Il me semble qu'il y avait des choses en bas. On pourra tout récupérer. C'est bon, je vais descendre encore. Hein. Porte du château. Aller par là. Oh, une tombe. Ok, mais y'a rien. C'est étonnant qu'il passe des endroits où il n'y a que rien à prendre. Autour de la tombe, il n'y a rien. Bon. Allez, hop, on remonte. On passe au labo voir. Tiens. Hop. Ouais, soyez prudents dans le ville. Les choses doivent être plus chaotiques là-bas. T'en fais pas. Nous, les filles, on sait se débrouiller toutes seules. Je sais bien. Bonne chance quand même. Des alchimistes ont vécu ici. Laurentius aussi, peut-être. Bon. Peut-être on va être plein. Là-bas, il y avait du soufre.
Tirer, le soufre, on peut prendre. T'as pas quelque chose à me donner avant de partir, toi? J'ai juste des mixtures. Bon, il a rien à faire de moi. Bon, ben, je pense qu'on a tout exploré là. On va monter. C'est quoi? On va avoir du travail. Hein? Par là. Ok, bah écoutez, je pense qu'on a fait. Non, on peut pas passer. Et comment passer de ce côté-là? Ça bouge. On va aller faire un tour dehors, voir s'il n'y a pas d'autres choses à récupérer aussi. Hop, on peut pas. La tentation de l'autre était là. Ça, c'est bien, on n'avait plus en plus. Ça, c'est pas mal. Allez, bon, on va retrouver Mélie et puis on va aller en ville. Ah, te voilà. Alors c'est parti. Tiens, et une dernière chose. Laurentius m'a dit un jour que le chemin qui mène au livre est semé de roses. Alors ouvre l'œil. Des roses. D'accord, okay. C'est compris. Oh, c'est déjà fini. Bon, on va faire le livre 9 en suivant, hein, puisque c'est quand même assez rapide. Donc dans l'ombre des remparts. Plus d'explications. La première règle de la survie, c'est de frapper entre les jambes. Mais la tête, c'est pas plus rapide? T'es vraiment trop gentille. Chut, c'est bon. On est arrivé. Oui, forcément, entre les jambes, ça fait plus mal. C'est quoi cette foule sur le pont? Les gens de la ville. On les évacue. Laisse-moi deviner. La morsure est ici. Bien vu. Et si la morsure est là, alors il y a... l'Inquisition. Voilà, t'as tout compris. Oh non. Tu le connaissais? Un voleur. J'ai travaillé avec lui. Il était bon. Alors c'est ça le châtiment des voleurs? La mort? Ouais, et je veux pas retrouver Arthur avec ce genre de collier. Viens, allons-y. Mélie, tu peux t'en charger? Je t'ouvre ça, et je file m'occuper d'Arthur. D'accord, mais au fait, c'est où l'université? C'est le gros bâtiment à l'autre bout de la ville. Tu peux pas le rater. Est-ce que... tu penses qu'on se reverra? J'espère bien. Tu m'es redevable. Merde. Ça veut dire que t'as pas le droit de mourir. Je okay. Ferai de mon mieux. Voilà. Allez. Passe. Bonne chance. Toi aussi. Et bon, on va se faire toute seule là pour le coup. Ah bah en plus, elle ferme la porte carrément. Les gens de la ville. Ils savent qu'ils vont mourir s'ils restent ici, mais ils croient qu'ils s'en iraient d'eux-mêmes. Allez, viens, on doit faire partir les derniers. T'inquiète pas, on a presque fini. La ville est à nous, on va pouvoir accélérer les opérations. Ces ordures, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Et bon, on est parti pour explorer les choses, hein. Ouais, je regarde si j'ai pas des choses à fabriquer par hasard. Le sommeil, là. Là, j'ai manqué un truc. Oh. Ça, par contre.
Et ça aussi, ça peut être pratique. Hop, voilà, comme ça on a un peu de tout. Et ça, je me souviens plus ce que c'était, ça. La goutte, là. Ah, voilà. Dévorantis. Force un ennemi touché à la tête, t'as retiré son casque, c'est ça. Ok. Bon, bah, on est pas mal, là. Comme ça, on a du stock. Et on est prêt. Et en pierre, on en a 9 aussi. Et maintenant, on n'a pas eu trop à se défendre. On a fait surtout l'exploration, là, pour l'instant. Loin. Ok. Wow. Là-bas, ça doit être l'université. On va remonter le lit parce que j'aurais été regardé la vie. J'aime pas ça. Oui, l'université. Ok. Bon, bah allez, c'est parti. Hein. Autre choix que de passer par là. Pardon. C'est vrai que c'est pas tout près, mais tu vas y arriver. Allez, Amicia. Pour l'instant, il n'y a pas de rat, donc c'est déjà pas mal. Là-dedans, t'es un des derniers, alors sors de là où on vient te chercher. D'accord, nous arrivons. Foutu bourgeois. Le tout c'est de pas se faire prendre. Ah. Ah. On va prendre la quoi. Ok. La pète et des cailloux. Coffre. L'alcool, du tissu. Bon, bah c'est bien, on fait du réserve, là, c'est cool. Ah, il y a encore quelque chose. Ah, une axelle. Ok. Ah, bah, il y a des choses à prendre. Ah là, il y a pas du tout. Ok. Oh, j'ai pas vu qu'il y avait quelqu'un. Ah, mais il y a du lourd, ça va. Attention. Dernier appel. Sur ordre du grand inquisiteur Vitalis, la loi martiale est instaurée et la ville sous contrôle de l'inquisition. Toute personne encore présente en ces lieux sera arrêtée et exécutée. La loi martiale? C'est incroyable! Pourquoi faire ça maintenant? On va prendre un bout de bois, on va pouvoir allumer. L'allumer là, mais est-ce qu'on pouvait pas l'allumer par le côté? Personne, si. Donc on y va. Ça là-bas! Hey, arrêtez-vous! Vous irez nulle part! Ah, purée, je suis mort! Ah, je suis mort! Bon. On reprend. Je sens que ça va être compliqué là. Ok. On va attendre qu'il passe demi-tour, voilà. On peut récupérer les trucs là. Le bout de bois. Là, il ne verra pas. Hein.
Allez, c'est bon, on y va, hop. On allume et on traverse. Là, comme ça ici on est tranquille. Et il faut retourner chercher un peu de bois pour avancer. Pour avancer là-bas derrière le. Hop. Problème, c'est est-ce que la sortie est vers là-bas? Non, ça a pas l'air. Bon bah c'est bon, on s'en est sorti, heureusement qu'on avait fait quelques réserves. Hein. Avant de partir, et du coup. Ouais, c'est bon, il me reste encore du. Chose à récupérer apparemment. La pleine pierre, il y a un truc pour faire du. Putain, va essayer de faucher des trucs avec ces rats dans les pattes. Ok. Tu sais ce que c'est dire Nicolas fait au pillard. Le moine écarlate vient au chaud au bastion et tous les autres font comme moi. Mais donc ça, moi je veux pas être mêlé à thérapie. Ça vous fait là si je traverse, hein. Bon, c'était pas ça qu'il fallait faire. Est-ce que si j'attire le. Ah mince! Ah! C'est pas ça que je me suis trompé, c'est que je prenne des pierres. Mmh. Bon. Ah, ça a mis. C'était quoi ce bruit? Comme ça, après, je peux aller dans son dos. Y'a rien. Faut que je me calme. Oh, c'est pas normal. J'y vais. Toujours rien. Est-ce que je deviens fou? Hop, parfait, on est passé. Comment on va faire pour déplacer tout ça? Je vais parler, là. Bon. Mais les affaires de papa, t'as vu ce qu'ils font aux gens?
On doit partir. Si l'Inquisition nous prend... fabriquer des choses mais on va en refabriquer truc du sommeil pas forcément besoin de tout ça bon pour l'instant par contre on va se remettre dans les pierres histoire de pas se faire avoir. Allez hop on remonte par contre on va pas ouais descendre. Ouais, c'est pas évident. Hein. Enfin, oui. Regardez-moi tous ces rats. Entre les rats, l'inquisition et tout. Là, on pourra pas passer. Côté non plus, bon, on a trop chaud. Y'a rien, allez hop, on y va. Hop. Où je suis. Mais au moins je suis encore en vie. Oui, en fait. Ah, une poule. Et là, il y a un garde qui est pas bien. Allez, rentre là-dedans et reste-y sagement. Non, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est mon mari. C'était ton mari. Il est condamné. Fiche le camp. Pas toute okay. seule. Ah, j'ai pas le droit. Je peux pas partir sans lui. La ferme! La loi martiale, tu sais. Quelle horreur! Il a raison, Anna. C'est contagieux. Oh, il y a encore des. Tire-toi! Maintenant! Non, bah non. Pardon. Ah, vous m'épuisez avec vos conneries! Il faut que j'aille voir ce que c'était. Hé! Hey. Il est où le pendu? Oh non! Ah, c'était ça le bruit. Et ces putains de rats qui sont déjà là pour le bouffer. Bon, doit bien y avoir un truc à piquer ici. Eh ? Moi je pensais que j'allais sauver le pendu, pas le faire bouffer par les rats. Ça c'est pas mal. Ah, là il y a. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Pardon, monsieur, dame, désolé de vous avoir dérangé. On a rien à prendre. Et voilà. Ils les ont tous exécutés. Oh l'horreur. On comprend mieux pourquoi il y a des corbeaux de partout. Mais ça suffit. Quoi, t'es mort? Il n'y a plus rien qui va. Sans elle, on vaut pas mieux que non seulement les gens sont malades, mais en plus ils sont pauvres. Elle est fermée. Alors, les petits cochons, ils sont morts ou ils dorment? Ok. Est-ce qu'il va pas falloir décrocher les pendus pour pouvoir traverser? Il y a des chances encore. Oh l'horreur. Allez, Alicia.
Accroche-toi. Oh, c'est horrible. Ah, mais ça bouge. Oh, c'est une horreur. Ah, mais je peux pas traverser, là, je vais pas bouffer ici. Ah, il faut que j'allume ici. Alors, du coup, on va prendre ça, l'univers. Le bruit. Hop, pas brouillé. C'était quoi? Salopard. C'est encore vous qui foutez le bordel, c'est ça? Hé, hey, il nous a pas vu. Alors là, on a de quoi allumer du feu. Rien alors. Soit. Un bout de bois, on sait jamais, ça peut peut-être servir. Mais pour aller où? La traverser, mais j'ai bien peur qu'on aille nulle part en fait. Aller par là. On va aller nulle part et on va se faire bouffer. Là, bah c'est mort. On reprend. Alors là, je sèche un peu là quand même. Là-bas, j'ai un garde. Alors, animer ça, il est là. C'est encore vous qui foutez le bordel, c'est ça? C'est là. Ah oui, forcément, c'est encore pire que tout à l'heure. Bon. C'est encore moins bon que la fois d'avant. Donc, on reprend. On passe par-dessus. On allume ça. C'est par là, non? Ah non, je me suis fait chauffer déjà. Bon allez, c'est bon. Pourquoi je me suis fait avoir cette fois-ci? Oh, ça va pas ça. Non. Oh, non. Je vais faire une boulette, moi. Ok. Donc on est toujours bon. Cette fois-ci, il m'a pas vu. C'est encore vous qui foutez le bordel, c'est ça? Et là, je sens que la suite va pas. Bon allez, c'est mort. Hey, attends, on va faire. Ah mince, stop. Ah bah, attends. Oh, mais je vais pas y arriver, je vais plus y arriver ou quoi? Allez, en plus je sais même pas où est-ce qu'on va aller après. Non, par contre je peux pas ça, je peux ça. Salopard,
c'est encore vous qui foutez le bordel, c'est ça? Je... Non, y a rien. Alors par contre la grande question c'est que... Ah bah si j'ai peut-être une idée. Ça me plaît pas trop mais je pense que c'est par là là. Sur quoi je... Oh. Non regarde pas. Ne regarde pas. À gauche ou à droite? Allez à gauche. Fidèle à ma foi. Je dois être fidèle à ma foi. On va s'arrêter là. Et là on pourra pas traverser. Ah si, je peux allumer là-bas. Traverser, là, c'est coincé ou quoi? Là, c'est pas du côté je meurs. Ah si, je peux allumer ça par contre. Ah, j'ai plutôt fort fabrique. On va attendre. Non, rien. Y a rien du tout. Et que je l'envoie, faudrait que je l'envoie là-bas, le pot pour avec un pot pour on va tenter le coup. Ça sera plus. On va essayer de l'envoyer un pot. Hop, tout ce qui fait un peu vrai. Ouais. Hop. Il se passe encore quelque chose là-bas. Allons regarder. Le pot au passage. Rien. J'ai encore dû me tromper. Ouais, je me suis coincé là. Là, du côté là, je vais me faire choper moi si je passe par là. Tant pis, on va utiliser ça. Désolé monsieur. Je vais te montrer ce qu'on fait au... Suffit. Hop, désolé. Désolé, non, même pas tant que ça en fait. Hop, on va passer. Alors, on va refaire le plein de pierre. Et puis voilà, bon il y a une partie que j'ai pas pu explorer du coup parce que je j'ai pas su faire. Je vous apprends sur lui ou quoi? Hein là. Ouais, c'est les pierres, mais je l'avais déjà fait. Bon, ouais, ça va. Voilà. J'ai cru que j'y arriverais pas. Oh, j'oublierai jamais cette odeur. M'étonne. Et... Le mec il a traîné l'alcool partout hein.
L'université. Tu vois. Allez, Amicia, continue comme ça. Par contre, les roses, je les ai toujours pas vues, moi. Il n'y a rien à prendre. Le cimetière. Il est sur le chemin. Oh, j'ai vraiment pas envie de passer par là. C'est fermé. Si seulement Mélie était là. Eh ben oui. Allez, il doit y avoir un autre moyen d'entrer. Quoi, ça me fait de la lumière ? Ça vient de l'Inquisition. J'étais sous minute pour ouvrir un chemin pour Amicia au milieu des rats. J'utilise LAS pour rajouter la lumière. Efficace. Le grand inquisiteur ne fait pas les choses à moitié. La lumière orientable déjà. Et alors là on est à l'abri. Et puis on a un atelier. Voilà, par contre on a un outil. Voilà. Il y a d'autres choses à prendre. Et on est en plein. Ah, par là. Alors qu'est-ce qu'on peut se fabriquer hein? On peut se fabriquer rien du tout. Parce qu'il manque du cuir, il manque de tout, ouais. Bon, dommage. Allez, quoi, donne-moi au moins quelques pièces. Oh, non. T'as bien quelque chose. Un truc précieux. On a tous un trésor. Allez, Amicia. Fais quelque chose, allez. Qu'on le désigne lui ou. Je dois me débarrasser de lui. Ah bah si, je sais, je vais. Si j'enlève la lumière. Ça t'apprendra. Oh bah d'ailleurs ils ont tout bouffé les rats. Alors est-ce qu'on peut... Voilà. Oh du coup... Ah purée bah ils ont bouffé tout là. Qui a bouffé. Pardon monsieur dame les rats, je n'irai pas par là. Mais on peut rien... Il n'y a rien à faire ici en fait. Ça à prendre, mais ça c'est bon, on est plein. Ah si, on peut passer par dessus, mais du coup il faut que j'amène la lumière ici, ok. Hop. Hop, et du coup là on peut passer. Alors... Il y a une fenêtre, parfait. Il n'y a rien à prendre. Il y a rien. Ah, puis il faut me libérer le passage. Yeah. À part mettre de l'huile. Hein. Ah, mais c'est pas assez, c'est un peu trop tourné. Là. Ouais, là on est pas mal là. Hop, ouais, c'est du coup, on peut passer par-dessus. Est-ce qu'on y arrive ou pas? Non? Ah non. Oh, c'est pas possible. Bon. Maître, voici l'épisanguis. Ah, voyons ça. Essayez qu'on récupère le bouquin. Oh, c'est pas vrai. Parfait. J'ai une question. On sait que ça vient des rats, mais à quoi ça sert? Nous appelons cela Odorus. Oh. Oh. C'est un des nombreux effets de l'épisanguis, lorsqu'on le mélange avec du soufre. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais...
Pourquoi on ne pourrait pas équiper nos troupes avec ça? On pourrait... C'est bien trop précieux. Chaque cristal d'épisanguis doit être consacré au projet. Par ailleurs, avec ces cristaux, nous avons déjà rencontré plusieurs... Comment pourrais-je dire? Des accidents regrettables. Apportez ça au bastion. Ce sera tout pour aujourd'hui. Des accidents regrettables. Imagine, tu t'en renverses sur les pieds. Tu finis ta patrouille cul de jatte. Quel humour! Bon, faut que je récupère ça, moi. De l'épisanguis? Qu'est-ce que c'est? Je dois voir ça. Ils sont partis. Allez, c'est juste un cimetière. Le code en est déjà plein. Là, ils ont voulu enterrer des gens, ok. Qu'est-ce qui vous excite comme ça? Ah, c'est pas ça que je veux. Je pense qu'il va falloir que je reparle d'ailleurs. Tiens, tiens. Tiens, ça me... Ça marche, ouais. Ça va me sauver la vie. Il faut que j'en trouve plus. Souviens-toi, les faits ne durent pas longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Allez, du coup, on va pouvoir construire de nouvelles choses. Ça, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il y a par contre où? Et on a ça, on peut le fabriquer, mais ah non, pas assez. Non, il nous manque les pieds sanguis, ok. Ok. Bon. Donc ça c'est vu. Le coffre on peut pas les ouvrir. Maintenant. Hop, là on peut pas aller. Alors si on peut aller par là-bas, et là-bas on pourra pas sortir, donc il faut qu'on utilise une gueule qui s'engouisse. Donc là, là on est pas mal. On va en refabriquer. Bon, on va se contenter de ça. Allez, voilà, comme ça. Hop, on a fait le plein de soins. Là-bas, on dirait la sortie. Allez, j'y suis presque. Donc là, et là j'ai la lumière, donc je les attire vers là. Je dois trouver quelque chose pour me hisser. Et... Une charrette. Si j'arrive à la placer en bas, je pourrais grimper dessus. Oui. Et d'abord, il faut que j'aille récupérer. On fait pas mal là. Où est-ce qu'elle l'a vu sa charrette elle? Ah peut-être aller là-bas, aller là-bas, la charrette, ok. Alors, hop, on va tourner ça par là.
Ah oui, mais ça n'arrête pas de passer. Est-ce que je vais avoir le temps de... Ah non, 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 pas maintenant. Oh les gars, eh. Ça va, ouais. Laissez tranquille. Est-ce qu'on les attire par là-bas? Allez, on tente le coup. On va refabriquer. Comme ça, on aura... L'odoris ne les retiendra pas assez longtemps. Je dois les coincer une fois pour toutes. Hop, ça va pas aller, ça va me faire boucler, donc c'est quoi derrière. Ouais. Non, c'était pas ça la solution. Comment je peux faire pour les coincer une fois pour toutes? J'arrête. Si j'arrive à la placer en bas, je pourrais grimper dessus. Ah bah si, c'est avec ça qu'il faut que je m'oriente comme il faut. Ah, y'a rien à allumer là. Bon, voyez. Non, 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 mais non! Oh! Je suis juste parti pour un truc là! Bon. J'arrête. Allez, on reprend. Hein. Si j'arrive à la placer en bas, je pourrais grimper dessus. Oh, t'as besoin de ça là d'abord, récupérer les puissants whiffs là. Ouais, il est passé là. La lumière est mal placée. Mais non, oh, laissez-moi tranquille, les gars. Bon, alors maintenant, faut que j'aille récupérer ma charrette. Sans me faire bouffer. Alors, on va en fabriquer, hop. Le Doris ne les retiendra pas assez longtemps. Je dois les coincer une fois pour toutes. Mais non, j'aurais mis le truc là-bas. Oh, c'est pas vrai. J'arrête. Si j'arrive à la placer en bas, je pourrais grimper dessus. Alors... Faut que je trouve le bon système pour... Et y'a rien à leur balancer des fois. Foutre le feu au... C'est pas ici là, mais... C'est pas... Est-ce que... Non, c'est ça. Et c'est avec ça, je peux jeter ça en quelque part, mais ça fera rien. Là, j'ai pas de cible. Bon.
Non, on reprend bien là, toi. Et ça. Ah, voilà, qu'on refabrique. Ah. L'odoris ne les retiendra pas assez longtemps. Je dois les coincer une fois pour toutes. Viens en bas. Ok, bon. On va commencer à en rebalancer. Ah mince, mais non. Oh, c'est pas vrai. J'arrête. Si j'arrive à la placer en bas, je pourrais grimper dessus. Donc on a dit que ça, hop, déjà, il fallait appuyer pour lui. Non, oh non, bon, mais... Écoutez, ça va faire un petit moment maintenant qu'on tourne. On va s'arrêter là pour la moitié de cet épisode. On poursuivra lors d'une prochaine fois, à voir que j'arrive à trouver la solution. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures d'Hugo, d'Amicia, Hugo et tous les autres. Portez-vous bien.